La Bible en un an, le 23 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 4, verset 1, au chapitre 6, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 17, à 32, le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 9, et 10, l'Évangile de Luc, chapitre 20, verset 27, à 47. De Samuel, chapitre 4 Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Béhérotiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimon de bééroth Rékab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbochette, qui était couchée pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbochet à David dans Hébron, et ils dirent au roi. Voici la tête d'Ishbochet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. David répondit à Rechab et à Baana, son frère, fils de Rimmon de Béheroth. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, Voici, Saül est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je les fais saisir et tuer à Ticlag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai je pas de la terre? Et David ordonna à ces gens de les tuer ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ijbochette, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. De Samuel, chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël ainsi tous les anciens d'israël vinrent auprès du roi à hébron et le roi david fit alliance avec eux à hébron devant l'éternel ils oignirent david pour roi sur israël david était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans à hébron il régna sur juda sept ans et six mois et à jérusalem il régna trente-trois ans sur tout israël et juda le roi marcha avec ses gens sur jérusalem contre les jébusiens habitants du pays ils dirent à David, Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron et lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Elifelet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant Monterai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains Et l'Éternel dit à David Monte. Car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Peratzim, où il les bâtit. Puis il dit, L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratzim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphahim. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Guézer. Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des lutes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'Arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal... Fille de Saül regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Psaume 119. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces tes orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Tes princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix et tu m'exhaustes. Enseigne moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Livre des Proverbes, chapitre 15. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui a de la haine pour la réprimande mourra. Évangile de Luc, chapitre 20. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme, ni mari car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Jésus leur dit Comment dit-on que le Christ est fils de David David lui-même dit dans le livre des psaumes Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.